On peut tout cultiver? Ouais. Patates, des Et carottes. tu les revends comment? Tu les revends à un penduit. Ah d'accord, putain. C'est trop bien, c'est tu cultives et tu Ça, gères ça. je savais pas que c'était possible. Il est interdit de faire du jardinage au centre-ville. Ah, les deux maisons à 800, ils ont été prises. C'est une cacarie là, normalement. Non, mais sur le vendeur, tu fais. Sur lui là, tu fais. Vous n'avez rien à vendre. Faut pas, je te... Ah ouais, vous n'avez rien à vendre. Ah ouais. On prend une petite cabane à 650, mais j'espère qu'on a le droit de cultiver partout sur le terrain autour, quoi. C'est en bas à gauche. En bas à... Maison cabane 01. Il y a cabane ou usine. Desservie par un arrêt de bus. Et c'est ce qu'il nous faut. Tu sais, pour tout type d'activité, c'est vous qui l'ont dit. Hein. Ah, dans le sol, derrière, on fera une petite cabane. Y a, bah ouais, bah techniquement, il y a de l'herbe autour. C'est industriel. D'accord, c'est parti. Bien. Ah bah 2 secondes, on a eu de la chance. Vous n'avez pas assez d'argent. Oh putain, moi je viens de payer là. Bon bah j'arrive, reste là-bas. Mon gars, on a un terrain de taré. Et ça me paraît bizarre, 150$. On a un terrain de fou avec un arrêt de bus devant. Le hangar, il est immense. Bah à l'arrière, on va se faire une petite clôture. Fermée. Hermétique. Tu veux que je commence? Fais une clôture bien fermée. Ah ouais, je commence une clôture. Pas très gros, on a pas besoin de beaucoup d'espace. Clôture en bois? Ouais, voilà, c'est ça bon, c'est ça bien. Ouais, bah voilà, des barricades comme ça. Voilà, c'est bon. Moi bon, je fais tout le tour. Hein. Ferme là, fais pas plus grand. Je ferme, je vais sur ouais, le côté bon. Comme ça. Petit, hein, ça a des tout petits comme passagers. Ça. Voilà, c'est bon là. Non, c'est bon là. Ah, on peut pas l'utiliser ce bien. Parce que je l'ai bloqué. Oh, putain, j'ai entendu. Il y a une voiture là-bas, il y a la mairie. Le maire qui fonce. Oulalala. Ferme, oh non! Wow, qu'est-ce qu'il fait? Faire un illégal, ça va. Il s'agissement de votre entreprise. Ah, nous sommes agriculteurs, nous lançons notre entreprise. Ok, pas de problème. Voilà. Voilà, tout simplement. On est en train d'installer notre jardin. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous. Faut que tu fasses une porte quand même, Ben. Ah, mais attends, on va la faire à la fin. Tu sais comment mettre un truc? Non, je veux bien que tu fasses la porte par contre. Je sais pas le faire non plus. Ah, moi, la porte, je suis pas trop professionnel quoi. Ouais, bah ça sera une barrière en fait, tout simplement qui s'enlève. Donc j'achète une petite barrière? Ouais, toggle active, ouais. Tu cliques dessus, tu prends ton pistolet et tu vises la porte. Normalement, tu peux faire clic gauche. D'accord, je fais clic gauche sur la porte? Ouais, tu peux. Voilà, c'est bon. Okay. Normalement, c'est bon, quand t'appuies sur le bouton, ça s'ouvre. Ok, bien joué. Tiens, t'as combien de dollars, Ben? Passe-moi 65 dollars. J'ai 136 dollars. Pas 65. J'aurais 100, histoire de... Ah, bah, je viens de le placer dans le sol, tout fait. D'accord, bah 5 minutes pour avoir une patate. Pour 100 dollars. Combien, ça coûte? 100 dollars. 100 dollars pour placer une patate? Oui, mais c'est une... Tu vas la revendre combien? Tu vas la revendre combien? C'est une graine, ça pousse à l'infini. Ah d'accord, donc il va y avoir des patates qui vont pousser à l'infini, si. Ouais. D'accord. Tant qu'on est connecté. J'espère qu'on va récupérer ma stune quand même. Ah peut-être quand c'est pourri au bout de 2 secondes, il faut vite les prendre en fait. Eh mec, j'ai 71$, hein. J'ai tout perdu quoi. En mettant des kepats, des boutons, des... Ah mais je t'ai donné de l'argent, c'est pour ça. Ah oui, c'est vrai. Oh, regarde, oh! Tu sais, ça fait pop quoi? C'est des patates ça? Tu la récoltes? Non, j'ai pas récolté. Tu veux que je la récolte? Ah non, c'est bon, le buisson a poussé en fait. Ah nice! Avant la prochaine récolte, une minute. Oh, ça va vite. Et vous pouvez maintenant récolter. Ils sont noirs. Et attends, ils glissent, je les attrape. Tu les manges, Ben! Oh merde, j'en ai mangé une. Comment les récoltes? Vos poches sont pleines, putain. Comment je fais? Y'a quelqu'un? T'as pas une patate? Oh, casse-toi. Elle fait tourner les patates! Oh non, mon gars. Au revoir. Bonjour, qu'est-ce que vous faites là? Donne une patate, donne une patate. Allez, donne une patate. Vous pouvez partir s'il vous plaît? Allez, mais donne une patate. On a pas de patate. Pourquoi vous parlez de patate? Ah non, mais c'est pour notre commerce, monsieur. On cultive des tomates. Je vais mon arme, je vais la sortir. Comment tu fais pour récolter? Mais pas, je suis plein. Tu fais clic gauche. Moi ça les mange, moi je les ai mangés je crois. Il est là Karim, il est derrière mon gars, il est derrière. Sortez de chez moi monsieur, la police arrive. Regarde Ben ce que j'ai derrière. T'inquiète. Je te jure, il est là, je vous dégomme. Monsieur, vous rentrez, vous tirez ou je vous tire dessus? Ok, bah rentrez, vous allez voir, rentrez. Rentrez pas. Est-ce que tu peux ramasser les patates là après Ben? Pocket et tu fais clic gauche. Tu as l'impression que ça les mange mais ça les fout dans mon arme. Cet objet est trop lourd. T'as des trucs sur toi? Comment? Ah, t'as d'autres patates, t'as déjà des patates. J'en ai une, bah ouais. Bah essaye de ramasser les patates, normalement tu peux. Non, je peux en prendre qu'une. Tu vises pas les patates, tu dois viser le buisson. Ah ouais, t'as raison. Ah oui, putain. Par contre, j'ai pu en prendre que 3. Mais par contre, on fait comment pour rentrer? Bah, on t'ouvrira. Ouais, on va faire ça à chaque fois, c'est pas grave hein. Donc je disais, s'il y a des gens dans les commentaires qui savent faire les portes qui s'ouvrent, je voudrais bien qu'on nous aide. Oh mais putain, mais ferme ta gueule toi là. On va au centre-ville. Hop, on va vendre les patates. Sorry. Oh. Hein, vous ne pouvez pas. Sorry. Merde, j'ai jeté une patate. Ah merde, moi aussi. Ah. Je peux pas le vendre. Je sais pas si vous comprenez. Ah, c'est pas là en fait. Et justement, là j'ai des patates sur moi en fait. J'en ai 3. Mais quand je vais voir le marchand, il me dit que vous n'avez rien à vendre. Vas-y, enlève un peu ta pocket. Enfin, sors ta pocket. Fais shift E. Tu appuies shift, après tu fais E dessus. Ah oui, très bien, merci monsieur. Attendez, je vais vous donner 20$ quand même. Merci, merci beaucoup pour l'info, franchement. C'est bon. Merci beaucoup. Raphaël, tu m'entends? Mais c'est bon, j'ai trouvé comment faire. Bah oui, je viens d'acheter là, c'est bon. Non, fallait pas l'acheter. C'est bon, il m'a expliqué comment faire. Non, pour la boîte, il me l'a dit le vendeur. Non, il t'a mis tôt, je viens de les vendre là. C'était quoi? Attends, il me parle. Que les patates là c'est de la merde. Non mais ça permet d'emporter plus ça. D'accord, je vois, donc je vends très bien. Pastèque et quoi? Melon, pastèque, ok je vois très bien. Et on vend tout à ce marchand là, okay. Dans cette ville. Ouais.
Ouais, c'est lui. D'accord, parfait. Ah, vous êtes un homme bon, monsieur. Là, je les mets par terre. Ouais. Et tu fais Shift E. Mage, c'est Shift. Voilà. Mage E, c'est où? Un dollar. TRL. Là, tu fais E. Ah, oui, je crois bien. Tu l'as bouffé. Tu l'as mangé, mon ami. Ok, Mage E, pardon. Voilà, je viens d'avoir un dollar pour la potato. Voilà. On va cultiver ça. Mais le mieux, c'est. Il m'a dit, c'est des pastèques et. Les citrons, non? Ouais, pastèques, melon. Enfin, les gros fruits, je crois. Le plus cher, quoi. Je vais retirer de l'argent, d'accord? Ouais, moi aussi, on va le faire en masse. Hop, 600$. Ouais, y'a un mec qui vient de se faire kicker. Ouais. Le serveur. Non, le serveur qui plante. Oh non. Oh non, je viens de retirer 500$. Oh non. Non. Je te jure, on me rembourse tout. Prends 650, on va aller acheter l'entrepôt. Au pire, il nous rembourse comme ça après. Donc, oui. Pierre, on va le faire quand même. Oh, j'ai 1200 sur moi. T'es remboursé. Ouais. Nice. Pardon. Ce que je vais faire, c'est que je vais exactement refaire la même chose. C'est une barricade en bois, tout autour. Et on la déplace quand on veut rentrer, on la remet. Et que personne nous voit ou essaye de nous tuer à travers. Wow. C'est parce quoi là? Ah, on peut péter les barricades en bois. C'est passé quoi là? Je sais pas. Oh putain! Ouais, parce que tu peux te propulser en tirant vers toi. Oh merde! Ah oui, genre petit potager. Je le sépare là. Voilà. J'en mets une dernière. C'est pour pas qu'on mélange. Voilà. Oh putain, c'est pas droit. Voilà. Ok, à gauche, je fais pousser les graines. C'est quoi là? T'as pris quoi? Des melons? Attends, je vais en acheter moi. Pas du watermelon, du melon. Melon. Toi, watermelon. Ah oui, c'est pastèque, watermelon. Ouais. Attends, melon, j'ai pas assez, hein. Moi, pour acheter le melon. T'as combien? J'ai 158$. Ça coûte quand même 225. Je te passe 200$. Vas-y, je veux bien. Moi, je peux en poser 2 pour l'instant. Ouais, mais après, on en met 3 par rangée ou... Oui. Acheter. Melon seed. Peut-être placer ici. Je fais comment maintenant? Tu le poses? Attends, tu le prends avec le truc rouge. Gravity gun? Tu fais clic. Droit. Et tu le poses où tu veux. Nice. Ok, je vais en racheter un, je vais en planter un autre. Attends, est-ce que je vais pouvoir en placer 3 sur une rangée? Attends, c'est bon. Ok, voilà, j'en ai planté 2. Vas-y, on essaie d'en planter encore, hein. Utilise tout ton argent. Hein. Le but, moi j'ai 135, je vais essayer de planter des patates. Non, on focus les melons et... Ouais, mais c'est pour la bouffe peut-être les patates. Si on a envie de regarder, parce que si on a envie de regarder par-dessus la barrière... Voilà, ici ça va être l'arme à bouffe. Les feux ici, j'ai mis des... Ouais, comme ça, au côté de la porte. Ça sépare un peu le... Voilà. Et quelle heure là? Il est minuit 40. Ah merde, on peut en mettre que un. Tu peux me donner un dollar aussi? Je vais poser un banc. Les couilles. Elle a poussé, t'as. Attends jusqu'à la prochaine récolte. Non, ça veut dire que ça a poussé, c'est bon. Ah, c'est ça le bruit qu'on a entendu. Ouais. Ah, il est propre dans le jardin. À toi, il y a ton melon qui va pousser. Il pousse là. Okay, il y a de... Il y a un gros. Regarde la taille oh, de. Putain de merde. Ah, faut surtout pas que je le mange. Attends, c'est mage E. Vous avez ramassé un melon. Je peux en ramasser 10. Un watermelon sur 10. Ah, c'est toutes les minutes. Un watermelon, c'est combien? Ah, là, il y a le. Si t'as faim, il y a des. Bah, c'est. Non, c'est pas tout de suite encore le. En fait, faut qu'il y en a un qui récolte pour l'instant que l'autre il va vendre. Hop. Je vais vendre et pour l'instant que ça pousse, toi tu ramasses. Ensuite, moi quand je reviens, ça sera toi qui ramasse. Mais quoi qu'il arrive, on ramasse ensemble. Oui, mais ça change rien, c'est la même chose. Ce mais que quand t'es en train on va... de dire. Là, on va être plein bientôt. Oui. Et quand on va partir, les pastèques qui vont continuer à pousser, ils vont nous attendre bêtement. Ah, d'accord. Ah, ouais. Ok, je comprends ce que tu veux dire. J'ai 3 watermelons, je vais les vendre maintenant. Attends, il te reste combien de dollars, mec? 9$. Tu peux pas prendre le bus? J'étais en train de prendre le... Je vais y aller à pied maintenant, ok? Ah merde, on peut reprendre le bus. Là, je ramasse tout là. Hein, c'est ça que t'es en train de me dire. Oui. T'es au maximum pour les melons? Ouais, melon, ouais. Et watermelon? Non, pas encore. Prends les pommes, Ben, par Attends, terre. J'ai faim, je vais en manger une. Ouais, bah, je suis presque à la moitié. Oh, bah, c'est bon. Prends toutes les pommes par terre. Oh, bon. J'y vais. Ben, les pommes par terre. Là, il y en a. Là. On peut en ramasser 50. Là, il y en a, là. Me laisse pas avec des dingues dehors, là. Bon, je l'ai mal fermé. Hein. Prends le chemin à droite là-bas. Non, ça va dans une minute et demie. Est-ce que c'est un tunnel genre assez long où il fait nuit? C'est un tunnel qui part sous la terre. Ouais, bah c'est ça. Est-ce qu'il va tout droit? Il va tout droit et ensuite il remonte. Ouais, bah c'est ça. Il y a le jour au bout et tu vas arriver en ville. Ah ouais, c'est pas loin. Ouais, je vais revendre tout ça. Bon, je peux encore prendre un watermelon et j'ai plus de melon. Alors, melon, je les mange. Hein. Tant pis. 50 dollars 10 melons, 45$, 5 pastèques, 8$. 4 pommes, 5 pastèques, 45$. T'as gagné combien en tout? 103$. Oh mec, c'est masse. Le problème, c'est qu'après, on pourra pas trop en faire. Mais après, ce qui est très bien, c'est de pouvoir stocker tout dans un. Il faut faire de tout. Faut faire de tout, en fait. Non, faut faire de tout. Parce que l'inventaire, il est séparé. Et pas ah oui, t'as raison. Je voulais manger les melons, ça me fait mal au cœur. Par contre, c'est 15$ à chaque fois, ça revient cher. 15. Oh, quoique, oh la flemme. Le mec, il est dans un jeu vidéo, la flemme. Oh, ça me saoule, la flemme. Ouais, même dans un jeu vidéo, ça me saoule. Ça me saoule encore plus que dans la vraie vie. Là, quand je reviens, tu peux même partir avant, en fait. Tu me dis quand t'arrives, je sors. Eh, pourquoi y a un melon dehors? Ah oui, je vais balancer. Attends, je vais le choper. J'ai chopé son petit boule. Tiens, 15$. Attends, reviens. Ah merde, j'ai posé plein de trucs, plein de melons sur le côté. Ah oui, d'accord, tout ce qu'il y a. Regarde les pommes aussi, pense-y, ils sont dans le coin. Moi, je ramasse tout. Hein. Si t'as faim aussi, nourris-toi de pommes. Qu'est-ce que je peux planter là? Il a une bonne réputation, le maire. Je plante deux fois des pommes ou pas? Je rachète des pommes. Ouais, vas-y. Allez, vas-y, parce que des pommes, il y en a 50. Et rachète toujours des limones. Je peux pas, non, là, je peux juste acheter des pommes. Hein. Ça c'est bien. Bah, c'est tout. Des trucs qu'on a, ou même des patates après. Non, les patates. Non, les patates. Je sais pas ce que ça rapporte vraiment, les patates. C'est 1$. Ok, c'est bon, j'ai reporté 160$. Un arbre à pommes. 90$ watermelon. Enfin, moi, je mange les melons, hein, vu que t'es pas là encore. C'est vraiment stressant de rater le bus à chaque fois. Faudra que tu me redonnes 3$ pour que je reparte. Ouais, je t'avais vu. Citron et orange. Il faut 450$. Citron et orange. Les deux oranges, d'accord? Comme on a fait avec les melons. Citron et deux oranges. Ils se mettent devant moi. C'est énorme, tu lui balances des pommes à la gueule. Non, je sors mes points. Je suis en train, ouais, je sais que je vais descendre avant lui. J'espère qu'il descend pas à la zone industrielle. 4. Zone industrielle, barricade. Il arrive. Oui, c'est pour. Bonjour. Monsieur? Attends, laisse-moi passer, barricade. Vas-y, barricade, derrière.
Voilà, il est juste là. Hein. Monsieur ? Attendez, je vous entends mal, monsieur. Pour faire des... C'est pour faire des plantations avec vous. Pour faire des plantations avec nous ? Ah, pour l'instant, on recrute personne. On est deux, donc ça suffit largement. Je plante deux oranges arbres. Et récolte là, tiens, regarde, t'as des melons qui viennent d'arriver. Bon, j'y vais. Vous avez atteint le maximum de plantes ? Hein ? Maximum de plantes ? Je peux acheter autre chose au moins ? Je peux pas plus de plantes, je suis au maximum. What ? Bah, du coup, on va enlever les pommes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 trucs en tout. Moi, ouais, mais on en a combien toi, t'en planté ? Moi, j'en ai planté 1, 2, 3, 4. 4 moi. J'en ai planté 3 moi, je crois. Bah, on peut en planter 4, donc ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait, on vire les deux pommes, on vire les deux pommiers. Et on met des limones. Je mets des limones. Comme ça, j'ai mis 2 melons, 2 limones, et toi, tu mets 2 oranges, 2 pastèques. Ok, ça me va. C'est ce qui coûte le plus cher. 166$. Le chiant, c'est qu'on perd 30$ pour chaque aller-retour. Et ça, ça fait mal à chaque fois. Donc, clairement, pour la rentabilité, en fait, ce qu'il faudrait, c'est carrément aller à pied à chaque fois. Si on prend un peu plus dans ta poche, tu peux en prendre 3. Ah bon ? Oui, tu peux prendre 3 melons. Donc, tu les déposes et après, tu prends ta pochette. Ah oui, pas con. Tu les as posés où, toi, les oranges ? À côté ? Ah ouais, à côté. Ok, bah j'ai placé ça. Non, je sais pas. Ah non. Oui, bonjour. Vous faites quoi, vous, comme métier ? Fais gaffe de pas te faire braquer. Comme métier, on est agriculteur actuellement. Non. Ah, oh, super. Bah moi aussi, je voulais me lancer dans un petit business d'agriculteur. Vous aussi ? Nous, on a... bah pour l'instant, non, on a déjà commencé, monsieur. Surtout que là, c'est très loin. Et là, je me dirige vers le centre-ville. Il veut juste s'installer à côté, un peu plus loin, il veut pas nous embêter. D'accord. Et, excusez-moi, monsieur, j'ai... Merci beaucoup, messieurs. Pas de soucis, j'aurais un conseil à vous demander. Oui. J'aimerais savoir comment on déracine une plante. Ah, comment on déracine une plante ? Parce qu'il y a des plantes que j'ai plantées, mais que je voudrais retirer quoi. Ah, à part si vous tirez dessus avec une arme létale ou un fusil, je ne pense pas que soit ça possible. D'accord, très bien, c'est un peu embêtant. Bon bah je vais... Ouais, c'est assez embêtant, ouais. Ouais, je vais regarder, merci beaucoup. À part si vous tirez dessus avec une arme... T'es chier. Bizarre les mecs quand même. Le mec il a installé une caméra vers nous. Je regarde, mais... Viens, on va aller voir. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour, on est vos voisins et on se demandait ce que vous faisiez comme ça. Comme en fait on voit une caméra qui filme vers chez nous et ça nous plaît pas trop en fait. Ouais, la caméra est vers notre maison. Bah en fait monsieur, au départ je voulais poser ma caméra, mais parce que j'ai un petit problème en fait avec la caméra et si vous voulez on met une vue devant. Bon, non, c'est pas grave, c'est juste histoire de savoir. Hein. Parce que je vois rien qu'on fasse un truc. Ils font de la mettre. Y'a la fumée qui dépasse, bref. Regarde, ah ouais regarde, viens voir, au cul. Ah ouais, tu la vois la fumée ? Attends, ils font de la mettre en pétale, viens, on les balance au flic. Attends, je vais le voir et je fais. Monsieur, excusez-moi. Monsieur, c'est moi. Écoute, je peux taper à la porte, tu prends tes clés. Monsieur, bonjour. Ah, vous êtes en train de cuisiner, excusez-moi. Y a le feu chez vous, je crois. Je crois qu'il y a le feu chez vous. On a vu beaucoup de fumée. Mais non, on prépare à manger. Ah, mais on voit depuis. Ouais. D'accord, depuis la fenêtre, on. On voit beaucoup de fumée depuis la fenêtre, vous savez. Ah, ça s'est calmé. D'accord. Après, c'est peut-être possible de glisser un petit billet pour pas qu'on. Vous voyez quoi ? Bon billet. Ah bah là si tu tiens les flics sont déjà en route en fait hein. Parce que bon on a quelqu'un d'autre qui est caché là dedans. On n'est pas venu à deux. Donc bon si il entend tirer il va appeler la police tout de suite hein. Genre le mec là-bas que tu vois dépasser à la colline. Tu vois le mec là-bas. Ah bah, il vient de se cacher. Bon après tu peux glisser un petit billet. Tu vois c'est qui, c'est le mec avec nous qui s'est caché du coup. Bah non c'est Hiro non. Bah après on peut marchander. Bon bah on part hein, viens, bon, viens bah... Kira, on part hein. On part hein. Au revoir monsieur. Au revoir monsieur. T'as vu comment il se met. Regarde quel mec, il se cache notre pote, regarde. Il a peur. Bon j'espère quand même que ça vous a plu, on a fait un petit potager sur le serveur d'Aikiliu. Bon c'était la première fois qu'on faisait un potager. Avec mon frère, on en avait jamais fait, de toute façon vous l'avez vu. Et bon, on n'a pas les dollars sur nous, on a mis tous les dollars en banque parce que là-bas, comme vous avez vu, il y a des mecs avec. Qui font de la mettre. Qui font de la mettre et heureusement qu'on a posé l'argent à la banque parce qu'on aurait pu perdre tout. Et donc, bah moi j'ai récolté 1 700$. Ouais, avec ses yeux de fourme. Et toi t'as récolté combien ? J'ai récolté 1 800. Donc ça nous fait un 3400. 3500. Donc okay, du coup, on a récolté 3 500$ et en 2 heures environ, 1 heure et demie. Et on a utilisé donc environ. Attention, c'est environ 1500. 200. On va compter les grosses plantes. Il y a 6 grosses plantes. 1200. On a utilisé, je pense, 1 800$. Je pense qu'on a utilisé 1 800$ pour faire tout ça. Et on a récolté bah, deux fois plus en fait. Donc en 2 heures, voilà, en 2 heures, vous pouvez déjà rentabiliser x2 votre potager. Et encore nous on a fait des pommes. On aurait pu faire autre chose, mais on aurait gagné même plus. Viens, on va lui dire, il y a la police qui arrive, monsieur, vous ferez mieux de vous en aller. Viens, on dit que c'est l'autre qui a prévenu là-bas, on l'a entendu appeler la police. Monsieur, vite. C'est important. Monsieur, il y a les flics qui arrivent. Monsieur, ah tiens, il est là.
Monsieur, c'est important. Monsieur, il y a la police qui arrive. C'est l'homme là-bas, il a appelé la police. Eh, hey, ne braquez pas, on vient de vous sauver. Il a appelé la police, l'homme là-bas. On sort de point. Calmez-vous, monsieur. Mais c'est beau chez vous. On le défonce. Ah, je l'ai pas eu. Il se barre. C'est pas gentil ça, monsieur. Vous avez tué mon pote. Oh non. J'essaie de me barrer. Non. Oh non. Donc voilà, on a bétonné donc le sol du garage et on a également fait une petite route de la piste de décollage jusqu'au garage. Comme ça, quand on construit un véhicule, bah, on peut directement se diriger au garage. Alors ça fait quoi si je mets une deuxième couche de béton, tiens, pour voir si l'herbe disparaît. Ah ouais, non mais ça.